Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est GamingSid, moi ça va bien. Les potos, on se retrouve pour un petit glitch comment modder ces véhicules avec le RC Bandito. Glitch super facile, glitch qui a été trouvé par Brotango, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc les potos, pour pouvoir modder les véhicules avec le RC Bandito, il va falloir que vous ayez le RC Bandito modé. Si vous ne l'avez pas modé, ça ne sert à rien. Donc, il va falloir se rendre en session sur invitation. Il va falloir avoir le point d'apparition dans le bunker. Vous mettez le point d'apparition au bunker, vous apparaissez au bunker et vous vous déplacez jusqu'à l'arène. Dans l'arène, vous mettez le véhicule que vous voulez modder. On aura besoin d'une activité buggée, celle-là ou une autre. Il vous faudra une activité buggée. Donc, les poteaux. On va prendre le véhicule qu'on veut modder et avec, on va accéder à l'atelier. On va faire flèche de droite. Une fois dans l'atelier, on va descendre du véhicule et on va aller au Bandito. On va faire flèche de droite. Pour rentrer dans le menu du Bandito, une fois qu'on est rentré dans le menu du Bandito, on va le quitter et on va remonter dans le véhicule. C'est là où on a besoin de l'activité buggée. On remonte dans le véhicule, on fait touche start, on affiche la carte, on va sur l'activité buggée. On fait carré sur l'activité buggée les poteaux. Voulez-vous vraiment lancer l'activité? Là, on confirme et on spamme flèche de gauche 3-4 fois, ok? Je confirme et je spamme la flèche de gauche. Donc, ça nous envoie dans les airs. On va envoyer un message du style téléchargement impossible. On confirme téléchargement impossible. Ça nous redescend dans l'arène. Et là, notre véhicule est modé. On n'a plus qu'à retourner dans l'atelier. Faire une petite modification sur le véhicule et le véhicule sera sauvegardé. Ok, on change un petit truc et là le véhicule est sauvegardé. Et là je n'ai plus qu'à quitter l'atelier. Je vais vous montrer, je vais faire un deuxième véhicule, c'est super rapide les poteaux. Donc je monte dans le véhicule sur lequel je veux transférer le modage du Bandito sur le véhicule. Une fois dans l'atelier, on va descendre et aller sur le Bandito, on va faire flèche de droite pour accéder au menu du Bandito. Une fois à l'intérieur, on le quitte. On remonte dans le véhicule. Une fois dans le véhicule, on fait touche start, on affiche la carte, on va sur l'activité buggée, on fait carré, on lance l'activité buggée. Voulez-vous vraiment lancer l'activité? On confirme et on spamme flèche de gauche. Les poteaux, si à cette étape-là, à la place d'avoir le message téléchargement impossible, vous avez hébergé. Vous faites héberger et derrière vous aurez ce message, vous le confirmez, ok? Et là, on apparaît avec le véhicule modé. On n'a plus qu'à retourner dans l'atelier, faire une petite modification et le véhicule sera sauvegardé. Voilà les potos, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera. Je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!